Je suis Jean-François Tremblay, professeur au département de relations industrielles et je m'intéresse à la gestion stratégique des relations de travail, la transformation des relations de travail et autres aspects en matière de gestion des ressources humaines, notamment les aspects psychoneuro-endocrinologiques là, du comportement humain. La gestion des ressources humaines et le domaine des relations industrielles s'intéressent à tous les aspects de la gestion de la relation d'emploi. Alors, l'humain au cœur des organisations, comment on peut le gérer, comment on peut amener à le développer, et autant dans les entreprises qui sont syndiquées que les entreprises non syndiquées, et on s'intéresse aussi à l'impact qu'ont les règlements et lois que le gouvernement fait sur la gestion des ressources humaines. Pour les étudiants vraiment passionnés qui désirent aller encore plus loin dans leur compréhension des relations industrielles, il y a bien sûr le doctorat en relations industrielles, où il sera en mesure là, de connaître tous les savoirs les plus avancés dans le domaine, mais aussi développer des habiletés de haut niveau pour faire de la recherche scientifique dans notre domaine. L'Université du Québec en Outaouais est une université dynamique où les professeurs sont à la fois impliqués au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de la compréhension empirique des milieux de travail. Alors, l'étudiant qui vient ici à l'UQO a évidemment là, des contacts privilégiés avec des personnes qui non seulement contribuent au développement du savoir dans le domaine des relations industrielles, mais qui œuvrent aussi à faire en sorte de transformer les milieux de travail. Alors, à la fois, l'étudiant va côtoyer la pratique et la théorie, le chercheur praticien, mais aussi celui qui est passionné par la transmission de son savoir. C'est ça que l'étudiant obtient quand qu'il vient à l'UQO.